Ok, ça m'a mis plus en Et yo les amis, on se retrouve pour un nouveau live sur Nova Life. Ah oui, je parlais bien, je pense, je me demandais si je parlais dans le vide, non. Donc aujourd'hui nous sommes Mécano, comme vous pouvez l'apercevoir. Nous sommes Mécano chez les Lampton. Donc ça y est, voilà, nous sommes Mécano, enfin. Un métier que j'ai bien aimé, mieux payé par rapport aux épaules. Donc voilà. Ok. Et t'as Audi, tu l'as toujours pas? Non, toujours pas. C'est mon bébé, okay. Mon Audi. Je peux alors, pas tenez, du coup, monsieur. Voilà. Monsieur Martin. Ça va? Exactement. Oui, il y a quelqu'un ah, qui veut le Discord, qui veut le site internet là? Si j'ai des fonds à investir chez vous. Pas de soucis, je vais bien, Martin, monsieur Miles. Ah oui? Bonne journée à vous. Je vais devoir. Attends, on va. Monsieur le patron? Oui, dites-moi. Il y a quelqu'un qui veut voir pour. C'est un nouveau et veut insérer sur le truc, tu peux un peu prendre la musique. Alors attendez. Ça marche. Ah oui, il est là-bas. Ça marche. Moi je vais manger, j'ai rien. Ça c'est chiant que je suis obligé de. Si je peux pas patrouiller seul, c'est chiant ça. Si, bah, tu peux y aller, vas-y, si tu as envie de pas. Ah, bah ok. Mais même si je suis stagiaire? Attends. Exceptionnellement, oui. Ah, bah ok, bon, bah merci. Bon, bah merci alors. Cette fois, au salon. Bonjour. Bonsoir, messieurs. Salut, Fresmang. Voilà, bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas à t'abonner et tout. Nous allons reprendre le dernier qui sont arrivés. Hein. Ouais, on va faire le plan en même temps. D'accord. Écoutez, je vous laisse me suivre. Et puis moi. Wow, le live me fait perdre des espèces. Il faut que je tourne là, moi. Josette. C'est Josette? Ah ok. Ah, il y a des bases de sortie. Ouh, c'est un Kevin Briggs. Joli camion, madame. Josette. Ah, joli camion, madame. C'est encore vous? Oui, je vous fais de place. Qu'est-ce que vous faites, madame? Madame, vous voulez une révision ou pas du moteur? Madame, vous voulez une révision du moteur? Vous êtes sûr? Parce qu'il a l'air d'être vieux, votre véhicule, madame. Il a l'air d'être vieux, hein, madame, votre véhicule. Oui, mais moi, je suis vieille, pourtant, je roule toujours aussi bien. Je veux pas savoir votre vie privée, madame. monsieur, c'est autorisé qu'une personne âgée conduise ce genre de véhicule? Hein, monsieur l'agent, c'est autorisé? Bah oui, elle y travaille, monsieur. Elle est convoyeuse de fond. C'est un peu dangereux quand même, imaginez, madame. Monsieur, il fait un malaise, la petite dame, sans être méchant. Elle défonce tout sur son passage avec ça. Après, elle a un bouton de panique, donc nous, on peut la rejoindre.
Ah, ça, c'est quand même gros pour un véhicule. Elle est passée où, madame Josette? Bah, je sais pas, elle était en train de voler l'argent derrière. Madame Josette, où êtes-vous? Allô, madame. Ah, bah, elle est là. Elle est là. Elle est là, votre madame Josette. Très joli t-shirt. Oui. Bon, bah, bonne journée à vous tous, hein. Bonne journée, hein. Si vous avez besoin de problèmes, si vous avez besoin d'un moteur, appelez-moi. Le logo, hein. Appelez-nous, hein, on vous répond tout de suite. Ouais, y'a pas de soucis. Bonne journée, madame. Et moi, je suis l'entreprise de Audi en tant que dépanneur mécano. Ouais, mais là, on est sur le serveur officiel, là. Oh putain. Il dort sur les appels, lui, c'est incroyable. Oh, il dort sur les appels. Impossible d'en avoir une. Passe, allez-y, madame. On a vu Josette. Alors Josette, c'est une personne très impliquée dans le RP, c'est même le personnage, enfin c'est même le créateur en fait, Josette. Excusez par le directeur. Bonjour. Il est en haut, directeur, je pense. Ah non, les bureaux sont vides. Je suppose qu'ils sont partis. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Salut Noé. Ouais, donc j'ai encore changé, hein, si tu veux savoir. Ah oui, t'es là, oui, t'es au courant. Je suis con. D'ailleurs, les nouveaux véhicules sont arrivés là. Enfin, les nouveaux masters, le nouveau skin. La nouvelle peinture. Ils sont arrivés. Ah, est-ce qu'il l'a fait sur celui-là par contre? Je me demande. Non, il ne l'a pas encore fait. Par contre, c'est impossible d'avoir un appel. Le gars, il est chez Renault, il est en train de dormir dessus en fait. Je sais pas comment il fait, mais il dort H24 dessus, on dirait. Il dort sur les appels, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Et il se prend pour prioritaire, oh là. On va aller voir la police. On va. Voilà la police, je voudrais avoir des informations.
fait, j'ai pas de message de toi, tu vois. Vous avez un problème, madame? Non, j'ai pas de problème. Parce que vos essuie-glaces sont activés, madame. Oui, je sais, c'est parce qu'il y a de la buée. Ah. À cette heure-là? Eh ben, dis donc. Oui. Eh ben, dis donc, à cette heure-là, avoir de la buée, vas-y donc. Vous attendez les flics, vous aussi? Vous attendez les flics, vous, monsieur? Tu vois... Ah pas vraiment. On n'est pas vraiment vraiment. Je peux vous aider, monsieur Lampon? Oui, c'est possible. Vous... Dites-moi. J'aurais une question. Les dépanneuses, même s'ils sont équipés d'une sirène, on n'est pas prioritaire. Oui. On est bien d'accord. Les dépanneuses. Les pas de dépanneuses, même s'ils sont équipés d'une sirène, on n'est pas prioritaire. Non, ils sont pas prioritaires. Ok, bah vous pouvez parce que là j'ai comment dire les la dépanneuse de l'assistance Renault, parce que je vois plus leur fourgon rouler, mais comme je sais qu'ils prennent leur rappel, notre appel, bah je l'ai vu griller un feu rouge avec une sirène allumée. D'accord, il était. C'est il appartient à quel garage? Bah Renault Assistance, qui est situé à la Rinière. Ok, ça marche, bah, je vais m'en occuper. Merci de l'avoir signalé. Bah de rien, parce que je vois quand même un insupportable qui prend tous nos appels pour ensuite les pour enfreindre les règles quoi du code de la route. Non, y a pas de problème, on va s'en occuper. Ok, merci monsieur. De rien. Au revoir. Bah voilà. Ça rigole pas. Ah, ça rigole pas entre les garages. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents hier sur mon live, donc voici en fait les masters qui m'appartiennent. En voilà. Voilà, ça c'est un de mes masters. Et donc ils sont placés à différents endroits pour me faire de la pub, vous voyez. Ah putain. Ni vu ni connu. Le problème c'est qu'une voiture comme ça et à un moment donné on peut rien faire. Concernant du coup les pièces mécaniques, si jamais vous voyez un camion. Je vais gagner tout l'argent du coup des réparations. Comme ça, c'est en direct. Ah ouais, ok, d'accord. Et tout ce qui est tarif, c'est votre radio. Oui. Ok, ça marche. Oui, moi je vois. Bien, pour tout ce qui est du coup les dossiers, donc à chaque fois que vous réparez quelque chose ou vous faites une peinture, il faudra le signaler
Allez dans le salon du coup de six réparations. Quel muscle? C'est sur le site. Ah oui, sur le site. Donc vous avez dit quoi? Dans le catégorie de six réparations. Dossier réparation. Ouais. Oui, qui avance ça. Ça marche. Je ne trouve pas le dossier réparation. C'est dans la catégorie employé. Voilà. Ah, je vois plus le chat. On n'est pas ajouté aux employés, je crois. C'est bien. Monsieur le directeur? Oui. Venez, une seconde. C'est possible. Alors, donne-moi. Ok. Allez, collègue, viens voir. Tu veux rire? Tu veux rire? J'ai été porté plainte. J'ai été signalé à une infraction à la police contre le Renault Assistance. Pourquoi? Abus de la sirène au feu rouge. Ah bon. Il était en dépanneuse, il a mis la sirène pour griller le feu rouge. Ah. Donc j'ai été signalé, hein. Ils sont pas, on n'est pas prioritaire avec la dépanneuse. Hein. Ils sont orange, au giro, pas bleu. Hein. La sirène, c'est juste pour nous faciliter le passage dans les bouchons, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Donc là, on va peut-être avoir un peu plus d'intervention. T'as vu les nouveaux masters? Ok. Ouais, j'aime bien. En vrai, c'est juste la couleur bleue qui change. Enfin, la couleur rouge qui change en bleu maintenant. Ouais. Ça te dit qu'on aille patrouiller un peu? Si tu veux, allez go, je conduis. Hein. T'es quoi toi comme grade? Stagiaire ou employé? Mécanicien. Ah ok. Bah tiens, tu sais quoi, tu vas peut-être m'aider pour faire un truc. Ok. Je vais inverser vite fait un master. En fait, je voudrais faire un déplacement de master en fait. Ok. Tu sais que moi maintenant, je sais pas si t'as vu le master à l'entrée, mais je fais de la location. Ouais, j'ai vu. Oh, ouais, tu as vu. Il faut que j'aille chercher à manger vite. Ah, attends. Je vais mourir là, j'ai plus rien. Je t'emmène. Tiens, vas-y, descends. Merci. Le temps que je me garde, vas-y, descends. Oh, c'est bien ça, être mécano des fois. Donc en fait, on va juste, comme je l'ai dit à mon collègue, on va déplacer un master, on va le mettre à un point stratégique. Ah, c'est quoi du coup le point? J'ai acheté des bonbons en édition limitée qui a temporairement, qui a des goûts un peu original. On va goûter ça. J'aime pas trop, mais bon. C'est bon. Oui, je suis là. Dès qu'on a un appel, on y go, ok?
Tu me suis? Tu veux que je le mette où? Non mais je vais le prendre, tu me suis avec le master là. Ok, ok. Non mais prends le master là-bas, prends l'autre. J'avoue, pour ce coup-là, j'aurais pu prendre une dépanneuse. J'aurais pu prendre la dépanneuse pour ce coup-là. Je reprends le volant ou tu gardes le volant? Ouais, vas-y. En fait, je le mets là comme ça, moi ça me fait des points en plus, tu vois, ça fait de la pub pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Au moins ici, tu vois, elle va être bien vue la pub. T'es là, collègue? Ta gueule, c'est stop là, putain! Putain, les gens ils sont impatients des fois. Ouais, en plus, il y a une voiture toute pourrie. Je sais pas comment il fait le Renault Assistant, ça pour accepter les appels dès que c'est. Dès que c'est appelé, il les accepte direct. Je sais pas comment il fait, il dort dessus, on dirait. Oh, mes anciens collègues. Oui, bah avant d'être mécano, j'étais éboueur. Et alors? Ouais, je sais. Dommage qu'on peut pas avoir un partenariat avec le SCFO, là. Imagine. Ouais. On peut peut-être négocier, hein. Faut essayer d'en parler avec le patron. Hein. Si l'Esposito n'ont pas encore le contrat, enfin ils n'ont pas encore le partenariat, on peut essayer de négocier. Hein. Ouais. T'inquiète pas, je connais bien mes rues. C'est quoi ici? Caso. Denis. Oui. T'es en service? Bah t'es je suis en live. Oui, je suis en patrouille. Ah, ils sont beaux. Il est cool là. C'est où là à peu près? Je suis à la fuite. Attends. Eh, ils sont beaux leurs masters ici, non? J'aime pas trop. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que leur logo anglomar, il est beaucoup trop gros. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont beaux. Vas-y, on voit une photo, s'il te plaît, si tu peux. Bah, ils sont à la fuite, ils vont. Hein. Sinon, tu vois pas un véhicule, toi? J'ai que 3 masters en véhicule. J'en loue, si tu veux, je loue les masters, mais c'est tout. Ouais, tu parles à moi? Non, je parle à quelqu'un. Non, j'ai rien à vendre, désolé. Non, mais t'inquiète. Mais par contre, si tu veux. Je me demandais si je peux partir en patron. Attends, tu peux mettre à louer mon véhicule si tu veux. Comment? Je sais pas comment mettre pour louer mon véhicule en fait. Bah, en fait, tu fais une annonce comme quoi tu loues ton véhicule. Hein. Tout simplement. Ah. C'est bien un calme en ce moment. Ouais. C'est m'amener chez Renault. Merci. Ah bah si tu veux. Un petit test voir si le gyro fonctionne. Ouais.
En fait, on dirait que les couleurs, ça fait froid et chaud. L'ancien patron, il devait être sévère parce que c'était rouge. Là, maintenant, ils sont bleus parce que le patron, il a l'air d'être plus sympa. Ouais. Bon, il a l'air d'être là. Je vois la dépanneuse et le master. Ouais. Bah écoute, attends-moi ici, je vais aller voir après le... Vas-y. Vas-y, je t'attends là. Regarde peut-être à l'avant, là-bas, devant. C'est pas lui? Non. Et où ton boudrier, par contre? Bah, je l'ai enlevé pour juste ici, quoi, pour pas l'énerver. Ouais, bon, t'as raison, je vais faire pareil. Il est pas chez lui, là? Ah. Oui. Bonjour. C'était pour savoir ici vous récupérez les véhicules. On travaille pas ici. Non, chez Lampton. On serait chez Lampton. Ah d'accord, mince, disons. Mais qu'est-ce que c'était quoi votre question? Le patron, mais je sais pas où il est. C'était quoi votre question sinon? Si vous récupérez les véhicules, enfin si ici à Renault vous récupérez les véhicules. Bah si vous voulez, chez nous, chez Lampton, on les récupère. Ah non, mais quel véhicule? On prend récupère tous les véhicules. Oui, vous vendez un véhicule? Oui. Vous vendez à Renault Express? Oui. Si vous voulez, je peux vous le reprendre, moi. Pour combien? Il a combien de kilomètres? Une centaine. Je peux vous le reprendre pour 1200. Attends. Ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, bah suivez-moi jusqu'à la station essence. Est-ce que je peux aller... on se rejoint à la station essence un peu plus loin, ici. Laquelle? Juste à droite. Là oui. D'accord. Bah, tu peux aller à la station essence? Ouais, bah oui, laquelle j'ai entendu. Hein. Je pense que le gars de chez Renault il s'est fait arrêter, je pense. Je sais pas. Peut-être, bon, ouais. Putain, le moteur il est tout neuf, il brille. Oh là là. Il est tout neuf. Bah il brille, hein. Bah pour 1000 euros, je vais le reprendre. Bah il brille le moteur. Vous avez dit 1200. Ah bah j'ai dû me tromper. Bah c'est 1000 euros. Chez toi. Pas tromper, là. C'est bon. Oh, t'inquiète pas. Je vais juste me déposer en ville. Enfin, j'avais une question. Oui. À Hampton, vous avez pas des. Vous êtes. Vous recrutez? Oui, un peu. Un peu non, enfin... Bah allez voir si notre patrouille est encore présent. Et moi je suis retourné au garage avec le Renault Express, ok. Nous sommes le 9 décembre, bien sûr, il est 21h03 précisément. Et on va se faire une petite session, enfin petite, peut-être pas d'ailleurs. Une session nocturne, bien sûr, c'est l'immortel et Tantal. Bon, on y retourne. Ah bah, je suis. Vous voulez que je vous redépose? Ça très très bien. Oui, bien. On va monter. Je suis un peu endormi. Vous vendez des véhicules avec vous, mais... Ah oui, mais on a que des espèces. On a pas mal bossé hier soir avec vous. Pas mal du tout, même. Bon. Et déjà, je vais vous montrer.
montrer ce que j'ai fait hors live aujourd'hui. Et par contre, si j'ai une intervention en cours de route, j'apprendrai, je devrais vous aller faire. En tout cas, la prochaine match, il y aura plein de petits détails incroyables. J'ai très 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 très. Ouais, c'est sûr. Mr. Claire. Ça bossait sur quoi ce soir? Je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. Parce que je vais finir ce que j'ai commencé hier soir et aujourd'hui en live. Mais en tout cas, l'objectif général, ça va être d'essayer de finir la nouvelle zone. En tout cas, le fait qu'elle soit... C'est, il va faire des travaux. Ah, moi j'ai reçu le salaire. Ça fait du bien de recevoir un bon petit salaire. Vous ne l'avez reçu que... Il y a 4 minutes en fait. Ah. Bon, de toute façon, on est quand même assez bien payé quand même. Par rapport à quand, où que je travaillais avant. Combien? À peu près 1 200 € par heure. Ouais, bah moi je fais plus. Ah, vous travaillez dans quoi? Je travaille dans la. Je peux pas trop dire. Comment? Que pour le moment, c'est pas encore. C'est quoi sans... entre nous, c'est quoi? Une entreprise où tu peux rapporter énormément d'argent. Et c'est quoi le nom exact? Le nom... j'ai pas le droit de le dire. Entre nous, ça restera entre nous. Mais bientôt... Bientôt, c'est une grande entreprise. Mais c'est quoi le thème, le but? L'argent. Le capitalisme. Oh là, ils s'engagent comme des cons. Ah. Ouf, elle a pris cher elle. Bon, tant qu'on appelle pas, ça va. Mais vous êtes... vous pouvez remorquer les véhicules. On a une dépanneuse. Ah. On a une dépanneuse à notre disposition. Après, moi personnellement, j'ai un double métier. J'ai un passe-temps qui s'appelle la location. Par exemple, le master qui était garé, c'est moi. Oui. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Oh, il me brinque. Ah, bah il part, c'est bien ça. Ah, attends, ralenti. Oui. Ralenti. Enfin, faut pas trop être près de ces véhicules-là. Je m'en fous. Vous voyez. Vous voulez que je regarde, vous voulez quand même regarder nos voitures avant? Ouais, je veux bien voir. Ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Brinks. Putain. Ah, oh, bah c'est Madame Josette. J'ai des gens qui m'ont parlé de drogue et tout. Oh non, pas elle. Alors, je vais pas elle. Pas elle. D'accord. Les voitures ils sont derrière si vous voulez regarder avant. Je vais les regarder. Ils sont là si vous voulez. Ils sont par là. Ah, moi je pensais que vous aviez d'autres véhicules. Non, bah s'il y a ceux là, sinon si vous êtes atteint. Mais attends, mais j'en ai besoin encore. Ah, ok. J'en ai besoin, j'ai pas fini. Hein. C'était pour aller où? Ah, remontez, je vais vous emmener au concesse. C'était votre patron là, ou pas? Non, pas lui. Notre patron, bah, je sais pas où est-ce qu'il est. Bah, attendez, on va vite dégager la zone. Vous voulez parler à mon patron, c'est ça? Bisous, vous voulez partir, vous voulez parler à mon patron? Oui. Ok, bah attendez, je vais me garer là. Normal, hein. Oh là. Vous inquiétez pas. Je vais me garer derrière, moi. Madame! Je vais reculer, madame! Reculez, s'il vous plaît! Qui est dans le véhicule. Ah oui, mais bon. Oh, oh. Oh putain, le portail qui s'est fermé. Oh là, la peinture. C'était José dans le véhicule, dans la brique. Oh, la peinture. Je vais reculer là, je vais me garer là, il veut vous parler, le client qui est dans le fourgon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, je sais pas. Je vais reculer, mais bon, il veut pas reculer la Brinks. Les Vosges.
Bah, monsieur, descendez, il est là, mon patron. C'est lui, mon patron. Ah, oui. Bon, je vais aller rouler du nous, moi. J'ai. Merde, je peux pas. Je vais plus dire quand même pourquoi je vais partir seul. Du coup, est-ce que vous savez comment ça fonctionne un peu Je vais partir seul vu qu'il y a personne qui peut être avec moi si possible. Bah oui, du coup, vous allez partir. Comment Je peux partir seul vu qu'il y a personne. Si, bah, il y a le nouveau du coup. Ah bah, ok. Ah bah super, bon je t'attends dans le fourgon. Alors du coup. Ah bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est flocage de master. Alors le flocage du master, venez, je vais vous montrer sur le mien qui est présent. Le flocage du master, vous nous ramenez un master, on s'occupe du flocage, vous nous envoyez le lien, vous nous envoyez l'image, on vous le fait. C'est ça que je voulais savoir surtout. C'est quoi en fait? C'est une image qu'on doit héberger sur un lien. Alors, je vous explique. Donc en fait, on voit. Est-ce que vous avez de quoi? Vous avez le plan ou pas sur vous? Est-ce que vous avez le plan du master? Non. Ok, c'est très simple. Pour avoir le plan du master, je vais vous me le demander, je vous l'envoie. Sinon, vous allez sur mon site de location, donc Transport Johnny. Mon site internet que j'ai créé pour ce type de master. Vous mentionnez, je vous envoie le lien, enfin je vous envoie tout ce qu'il faut. Vous le créez, sinon moi, comme je suis sympa, je vous le crée pour 3000 euros. Hein, parce qu'il y a plusieurs essais à faire. Je peux le créer, c'est juste que j'ai besoin du template, je sais pas. Ok, bah voilà, donc si vous voulez, je vous enverrai, vous rejoignez le site internet de Transport Johnny, je vous l'envoie. Vous le créez. Et quand vous serez prêt, vous faites des essais sur votre PC, hein. Et dans ces cas-là, quand vous êtes prêt et tout, quand vous avez un master, vous venez chez nous, chez Sposito, et bon, principalement chez nous, on est moins cher. C'est 2400 euros, si je me rappelle bien, parce que je dis des conneries. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pas envie de vous dire des conneries, je suis pas du genre à dire ça. Le flocage, il est à 2400 euros, hein, voilà. Donc c'est pas très cher, entre nous. Et donc, on vous le fait dans la minute. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Bah, du coup, je vous mentionne sur votre site et sur lequel je peux dessiner, designer, etc. Non, mais attends, regardez. Si vous êtes déjà sur mon site, n'hésitez pas à me. Attendez, ne piquez pas, je vais vous l'envoyer tout de suite. Je vais vous le mettre dans mon serveur général, ne vous inquiétez pas, je vais l'avoir quelques instants. Copier, voilà. Alors, attendez. Je vous le mets dans général. Vous allez l'avoir tout de suite. Et le voilà. Normalement, c'est ce bon lien que je regarde. Oh. Pourquoi le nez du master n'est pas le même sur chaque face? Me demandez pas pourquoi, je sais pas non plus. Ok, ça marche. Ah, attendez, c'est pas le bon lien. Attendez, je vais vous envoyer le bonbon. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur le deuxième, vous le téléchargez sur cette base-là. À chaque fois que vous devez refaire un, vous cliquez sur cette base. Ok. Voilà. Ok, ça roule. Bah, merci. Bah, de rien. On est là pour vous aider, monsieur. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Voilà à quoi sert des fois les flocages. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. Oui. Tu peux m'aider? Oui, j'ai un problème avec un client. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai mis la peinture qu'il m'a demandé, sauf qu'elle ne s'affiche pas. Ah, t'as fait un essai ou pas?
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah bonsoir. Alors un bleu comment? J'ai compris pourquoi. Je n'ai pas mis le hashtag. Ah mais il faut mettre le hashtag, bah oui. Voilà, c'est... T'es con. Ah mais t'es con. Ah oui, il faut le dire, mais t'es con. Hein. Ah un peu là. Il n'y a pas plus qu'on toi. Hein. Désolé, mon collègue il est un peu débutant, je pense, comme moi. Ouais, je débute. Attends, t'étais mécano auparavant? On vient de m'embaucher, le patron vient de m'embaucher, il m'avait pas dit. Ah bah ok. Non mais en fait c'est pour ça, moi je suis mécano de est-ce que tu peux mettre à ma place et je te rembourse juste après? Non, il faut que je repars en service, moi. Désolé. De ce qu'il a demandé. Voilà. Après, du coup, je fais confiance à la personne qui va me prendre en charge, ou Johnny, va vous prendre en charge. Oui, moi. Donc, voilà, je compte sur lui pour qu'il vous explique un peu le fonctionnement de l'entreprise, surtout au niveau voilà, de l'intranet, pour le dossier réparation. D'ailleurs, moi j'en ai fait un, est-ce que c'était bon en fait, celui que j'ai envoyé? Oui, c'est de ce que j'ai vu, c'était quelle personne? Ah, et je vous l'envoie. Ah, bah ok. Envoyer direct, ça s'enverra automatiquement. Ça s'enverra automatiquement à moi. Faudra juste compléter du coup le formulaire dans le dossier réparation sur le site. Et avec ça s'enverra directement du coup dans dossier client que vous pouvez voir normalement vous aussi. Oui, là je vois. Voilà. Donc ça c'est toutes les personnes qui sont fait réparer. Alors le site date d'hier, donc pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de personnes. Mais voilà. Du coup, toi, c'est quoi que t'as fait c'est comment il s'appelle la personne que tu as fait, Johnny? Bah non, je l'ai mis dans le dossier, je l'ai mis dans le truc. Hein. Est-ce que tu te rappelles de son nom prénom? Non. Léo Butan, peut-être? Non. Attends, c'est dans quoi que tu peux lire? La dernière, c'est Léo Butan. Léo Butan. Mais attends. C'est dans quoi que tu vois dans le dossier? Dans dossier client. Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça, fichier client, je vais tout de suite te dire ça. Le dernier que j'ai fait, c'était Vincent, Brio Vincent. Voilà, c'était 4 bougies et une courroie. Un jour le site, parce qu'il y a un nouveau truc qui va apparaître que je viens de faire. Hein. Enfin, que j'ai fait du coup en rentrant. Ok, c'est quoi? À vous de voir. Hop, normalement, refresh la page, vous pourrez le voir. Je vois rien, ça a rien changé pour moi. Moi ça a changé, c'est bon. Ça vient de me le faire. Refresh encore. C'est sur le menu d'accueil? Moi ça a changé, c'est bon. Bah oui, sur l'accueil du. Ah, il y a le logo Lompton. Il y a le logo Lompton. Il y a un truc qui s'est rajouté. Oui, bonjour. Mais il y a un nouveau. Bonjour. Il y a un nouvel onglet tarif. Ah, ok. Est-ce qu'il y a le patron ici? Oui, je suis là. D'accord, bonsoir. Ce serait pour savoir si c'est possible de recruter des. Enfin, si vous recrutez des employés. Bon, tu viens, on va patrouiller. Alors, pour le moment, du coup. Là, avant que le master part. On y va, patron. Sinon, si vous voulez vraiment être. Eh bah merde, tu vois, on laisse 5 minutes le master sans surveillance, il part. C'est bizarre. Tiens, on peut le récupérer, on vous le récupère. Ah merde, c'est pas le bon, Ah mais non, c'est pas le bon. Bah non, il faut demander au patron qu'il le mette à jour celui-là alors. Il dit quelque chose de monsieur là. Qui moi? Non, pas monsieur Blanc, mais monsieur. Oui. Qui moi là? Moi là? Ouais, moi? Ouais. Emmène-le au fond, emmène-le au fond, on va le séquestrer. Allez, viens. Dites monsieur, on peut le mettre à jour celui-là maintenant, si vous avez l'argent. Par contre, venez tous dans un service hashtag 1. Un service hashtag ok, 1. Dites monsieur, on peut le mettre à jour celui-là ou pas? Au niveau skin. Au niveau flocage, on peut le mettre à jour celui-là. Comment? On peut le mettre à jour au niveau flocage. Celui-là, vu qu'il n'a pas été mis à jour celui-là. C'est lui qui a pas été mis à jour? Non, parce que. Ah, mais il est là! Ah, mais il est là! Il est là en fait, l'autre. Oui. Alors attends, ouais, je vais laisser descendre. On peut pas le rentrer dans le. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je suis là. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
pour ma prise de service, j'ai pas, il m'a pas expliqué. Alors en fait, vous allez sur le salle, vous allez sur le truc de prise de service. Excusez-moi. Et en fait, vous copiez-collez en fait par rapport aux autres. Vous le copiez-collez par rapport aux autres, vous mettez juste votre nom, heure de service en fait. Vous laissez 9h, vous mettez 9-12, 2022, vous mettez juste 21h, 21h20, voilà. Avait fonctionné dans, dans une autre ville, est-ce que ça fonctionne? Bah attends, je vais essayer de mon côté. Alors, monsieur, vous voulez quelle couleur exactement? Dites-moi tout, je vais essayer. Bleu. Alors attendez, est-ce que vous voulez que je vous donne du coup le code? Ah, si vous voulez, donnez-le-moi. Ok, alors attendez, du coup, je le marque sur un bout de papier. Observez comment va faire. Mais j'ai fait comme... Alors, comment ils font? Ah, mais je sais d'où vient le problème. Ah, mais je sais, votre code, il manque un chiffre. C'est pour ça. Il en faut 6, vous m'en donnez que 5. Et moi, je peux plus rien faire parce que j'ai déjà rentré deux fois. Là, j'ai déjà perdu de l'argent, j'ai déjà rentré deux fois. Mais il faut pas. Mais t'as, non, pour le truc comme ça, tu peux faire gratuit. Mais oui, il faut faire muscle F4 et ensuite tu fais montrer un exemple de la couleur vécue. Et c'est marqué entre parenthèses. Il faut aussi chiffres, monsieur, s'il vous plaît. Enfin, si lettres et chiffres. C'est un bleu comment, dites-moi, je vais essayer de le chercher de mon côté. Ah, c'est pas grave. Bon, je vous laisse avec le client, moi je. Oui, Eva. Si vous avez d'autres questions, posez-le moi. Putain, en fait, je comprends mieux pourquoi ça fonctionnait pas. Parce qu'il m'est donné seulement 5-6 lettres. Pas de problème, c'est moi. Non, mais c'est. Regarde, il mettait hashtag 0062F, il en manque un. Ah oui, je m'en occupe. Oui. C'est un truc tout con, quoi, tu vois. Heureusement que je suis là. Oui, tu t'en occupes. Alors, dites-le-moi, dites-le-moi, marquez-le-moi. Je t'en occupe du client. Voilà, là normalement ça devrait marcher. C'est un verre bleu comme ça que vous voulez? Non, faudrait que ce soit un petit peu plus clair, je pensais pas qu'il soit aussi pétant. Bon, ok, alors je vais essayer de chercher de mon côté, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai des sites internet. Alors je vais regarder sur mon ordinateur. Alors. Autrement, j'ai un autre code là si vous voulez pour essayer. Attends, je vais essayer le mien, et vous me dites ok. D'accord, allez-y. J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Bah, envoyez le mien, je vais envoyer le vôtre, je vais essayer. Ok, attendez. Le mien a dû être périmé. Il y a qui le véhicule vert foncé, la C4 vert foncé Ça a changé légèrement, j'ai regardé. Voilà, attendez, je vais essayer encore plus clair parce que je pense. Bon, ok, alors donnez-moi votre code, donnez le code, j'essaye. Ok, attendez, je vous le dis à l'oral parce qu'à chaque fois marqué sur un bout de papier, j'ai plus d'infos. Allez-y. 00B2FF. B2FF. Les lettres minuscules. Alors, c'est 00B2FF. Exactement. Ça n'a pas fonctionné, le code n'est invalide, il n'existe pas pour nous. Ah mince. Bah pour tous les mécanos. Je vais regarder si je trouve pas un petit code. Ah, attendez. Vous auriez un rouge bordeaux. Ah, attendez, j'ai peut-être trouvé mon site. Ouais, attendez, j'ai peut-être retrouvé mon site.
J'ai peut-être retrouvé mon site. Ah, ça, c'est bien ça. Vous, c'est un bleu clair que vous voulez, c'est ça? Oui, voilà. Pas c'est clair, 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 mais un petit peu plus clair, quoi. Hashtag. 300. Oui. Il faudra décaler votre C4 vers là. Là, ça vous va ou pas ça? Oui, je vais la décaler. J'ai pas l'impression que ça a changé. Ça a changé légèrement, sinon je peux essayer de vous avoir un peu cyan. Vous auriez encore un tout petit peu plus clair et après je pense que là ça sera parti. Cyan, ça, vous voulez essayer cyan? Oui, pourquoi pas. Vous allez bien, monsieur? Bien, vous. Ça ressemble à ça. Ça va nickel. Ah, là pour le coup c'est trop clair. Excusez-moi, un tout petit peu plus foncé entre les deux ce serait parfait. J'ai turquoise, on va essayer ça. Ça devrait y aller là je pense. Ah bah ça n'existe pas, super. Attendez, sinon en bleu j'ai bleu canard, on va essayer ça. Attendez, je vais recommencer le code, il va pas le fonctionner. Non, vous voulez essayer Bordeaux, c'est ça sinon? Oui, voilà, autrement Bordeaux ou une autre couleur qui vous paraîtrait pas trop mal. Moi, du moment que ça rend bien sur la carrosserie, ça me va. Parce qu'en fait, entre les sites et la carrosserie, des fois, il y a des petits décalages, du coup, c'est pour ça. Et ça vous plairait pas un petit... Alors, Bordeaux, ça donnera ça comme ça, Bordeaux. Là, c'est parfait, franchement, on peut pas faire... Vous voulez garder sur le Bordeaux? Oui, merci beaucoup. Ok, bah venez. Parfait, venez, voilà, venez, 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 on va payer ça là, venez. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Il a déjà payé, monsieur, donc... Ah, il a déjà payé, est-ce que tu peux me passer l'argent pour que je valide la couleur, parce que j'ai plus rien sur moi. J'ai plus une thune. Merde. Écoutez monsieur. Monsieur, vous avez un peu de... vous avez un peu d'argent s'il vous plaît? J'ai pas d'argent pour faire payer le pour changer la peinture. Je vais retirer, je vous paye juste après. Est-ce qu'il n'y a pas un collègue qui a un peu d'argent s'il vous plaît? Je reviens, je vais retirer. Si, moi, si tu veux, oui, tiens, tu peux me passer un peu s'il te plaît. 300 t'en pour la couleur. 300 pour la couleur. Pour que je refasse la couleur. Viens, pour que ce soit sur toi. Non mais t'inquiète, c'est bon là, c'est bon, c'est le petit délire. Merci. Hop. Bon monsieur. Par contre j'ai une question. Ah monsieur, je vous fais la peinture. Oui monsieur. Oui. Est-ce que vous faites la carrosserie plus brute dans votre garage? Oui bien sûr. Ah merde, c'est 700, non il faut me donner plus. J'ai oublié, c'est 700. Et ça coûte mais combien? Mais il t'a pas payé, le client il t'a pas payé. Bah si, à quelqu'un, mais à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Venez monsieur le client, venez. Johnny, le client oui, il t'a pas payé? Si, mais c'est quelqu'un d'autre, il l'a payé, ça a été payé par quelqu'un d'autre, il a payé quelqu'un d'autre. 10%. Il me faut 700, j'ai 400. Envoie 600. 1000, envoie 1000, comme ça on est tranquille. 1000. Si ça te dérange pas. Ouais, si ça te dérange pas. T'as combien? Ah si, j'ai 1000 sûrement. Ah bah s'il te plaît, merci. Tu me les rembourses au pire. Ouais, plus tard. Dès que j'ai. Et un polissage à 10%, est-ce que ça se voit beaucoup ou c'est pas flagrant? Merci. Je fais confiance, tu me les rembourses petit à petit, pas d'un coup. Ah bah il a fermé son véhicule, super. Ouais, qu'il faut. Super. Monsieur, vous pouvez déverrouiller votre voiture ou pas si possible? Pour que je vous valide la peinture. Ah, il est verrouillé? Ah bah oui. Donc on part sur du Bordeaux, on est d'accord. On part sur du Bordeaux. Oui, voilà, exactement. Dernier mot, vous êtes sûr? Dernier mot, sûr et certain. Ok, on part sur du Bordeaux. Attention, je vous valide la couleur. Ouais, donc monsieur, pour le polissage à 10%, je ne sais pas, faudrait voir avec mes collègues. Mais je pense qu'à 30, ce serait bien. 30, ça dépend de vos attentes, mais en vrai,
30, c'est ni discret. Et voilà la petite couleur, votre petite. Voilà, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Ah, de rien. Du coup, avec ceci, je vais vous prendre un polissage. Est-ce qu'il y a moyen de voir par contre ce que ça donne le polissage avant de l'avoir? Non, ça il faudra obligatoirement payer par contre. En avance. Ok, bah pas de problème, bah, je vais le prendre quand même. Combien? Bah, je vais prendre allez, on va dire 25%, ça devrait le faire. Il t'a payé ou pas? Je laisse occuper, s'il vous plaît. Oui, vas-y, je te laisse t'en occuper. Ok, je vais juste chercher des sous. Combien de pourcents vous avez dit, monsieur? Non, mais tu le payes, non, tu le fais payer. Tu le fais payer en avant, t'as l'argent après. Tu peux payer, tu le fais payer et t'as l'argent. Il est parti où, celui qui vient d'arriver hier, là? 25%. Il est parti où? Dites, monsieur Martin, il est parti où, le nouveau? Dites, monsieur Martin, il est parti où, le nouveau? Alors, j'ai plus le chat, par contre. Il n'y a personne. Super. Oui. C'est qui a payé pour... Il est parti où, le nouveau? Il est parti où, le nouveau? Bah, c'est moi qui ai retiré l'argent, c'est bon. C'est moi. En camion, mais du coup, c'est qui a payé? Ok. C'est qui que je dois payer pour le véhicule? C'est bas. Bah monte, collègue. Je parie à l'essence. Bon, tu viens avec moi, on va patrouiller. Je peux conduire? Je conduis en premier. Allez, monte. Vas-y, je conduis après. Ta ceinture. Pas grand monde ce soir. Non. Bonjour. T'as passé une bonne journée? Oh oui. Je peux te tutoyer? Bah oui, on est entre collègues. Et que le patron qu'on veut voir? Moi, léger quoi. Il y a ce qu'il faut dans la camionnette, vos batteries, vos trucs, ça? Normalement, oui. Ok. Oh là, lui, il a... Tu veux qu'on s'arrête pour vérifier? Ouais, vas-y, attends. Ok, bon, on s'arrêtera vite fait au camp de bûcheron. Bah attends, va au camp de bûcheron, attache-toi. Moi je te descends, on va jusqu'à la rainière, oui on paye l'essence à la rainière. J'ai pas compris ce que t'as dit. On a tout ou pas? Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a deux courroies, plusieurs bougies, deux batteries. Et du coup, tu m'as dit quoi? On descend jusqu'à la rainière, on fait le plein là-bas et après on remonte petit à petit. Vas-y. Pour l'instant, j'ai reçu aucun appel depuis que je suis touché. Ouais, bah moi j'en ai reçu un seul. Mais le problème, c'est que Renault Assistance lui dit qu'il y a un appel, il répond plus vite. On dirait qu'il dort dessus. Et moi j'avais ramené un gars qui s'est fait embaucher. C'est pas toi. C'était quoi? J'ai ramené un gars qui s'est fait embaucher dès qu'on est arrivé au dépôt. Un gars qui a vendu sur l'Express. Mais non, c'était pas toi. Ah, c'est toi? Celui qui a vendu ton Express? Ouais, j'ai vendu l'Express et j'ai racheté un caisson. Ah, ok. Et là, mon but, c'est de travailler, là, d'économiser et de m'acheter une méga. Ah, ok. Tu t'appelles comment, en fait, toi? Gabin, et toi? English, Johnny English.
De toute façon, quand tu regardes mes masters, c'est marqué English, c'est marqué Johnny. T'as déjà vu le film? Enfin, la série? Ah oui, bah oui, qui connaît pas. C'est incroyable. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. Je pense que mon moment préféré de tous les films, enfin de, ouais, tous les films, c'est quand, quand Johnny English met un coup de pied sur la... Quand il est en train de se battre avec des Chinois, là. Quand ah. Il a un coup de pied sur la planche en bois et que ça lui remonte dans les couilles. Bon, t'es pas au courant ? De quoi je suis au courant ? Normalement, quand un nouvel employé vient d'arriver, il paye le plein. Bah, je te paye le plein, allez, vas-y. T'as vu, en plus, je le fais bien pour pas que je sorte, tu vois. Tu veux que je me décale un peu ou ça va ? Ah, ouais, tu peux décaler ou pas, c'est bon. Et je pourrais conduire après ou quoi ? Après. Vas-y. Oh là là, je suis en train de me faire couiller, je le sens. Pourquoi ? Je suis sûr que c'est faux. Dès qu'on aura fini l'inter, tu conduiras. Vas-y, dès qu'on aura fini quoi ? Une inter. Bon, on en est à combien là ? Le plein est bon ou quoi ? Bah dès que tu verras que les chiffres s'arrêtent de monter, ça veut dire que ça sera bon. Et je vois pas où ils sont, je vois rien. Apprends ta lampe. Muscle L. Ah oui, merci. Et éteins ta lampe torche quand tu remontes. Sois rapide pour répondre aux appels, hein. Surtout ça. Ok ? C'est le téléphone qui sonne, non ? C'est Muscle F4. Muscle F4, et tu fais intervention et tu fais accepter. Attends, arrête-toi. Ah oui, je sais pas comment il fait, mais il dort direct. Il en dirait qu'il dort dessus. Viens, on l'appelle, on se casse. Non, mais non. Ça peut être nos collègues. Donc là, je vais essayer de faire comme lui. Dès que j'ai un appel, muscle F1, j'appuie sur l'intervention et je fais sélectionner, on l'a. Pourquoi muscle F1 ? Pour. Tu vas comprendre plus tard. Quelque sorte. Je te paye un morceau. De toute façon, c'est fermé. Hein. Ah si, hein, y a personne. T'inquiète pas. Ah, y a toujours les tables. Attends. Ah ouais, il y a toujours les tables. Parce qu'on avait tourné, un film ici, dans cette maison. Ah ouais ? Ouais, il y a toujours les tables. Et dis-moi, comment tu... Est-ce que t'as une maison, toi ? Non, du tout. Ok. Je retourne en belle, c'est trop chiant. T'inquiète pas, il va en avoir. C'est dans la nuit qu'on a tous, non ? Comme on voit pas grand chose. Ouais, principalement ça. Après, des fois, j'essaie d'avoir l'œil de gauche à droite, de devant, derrière, voir si je vois pas des voitures sur le côté. Voilà, c'est ça. Et tu te fais combien Tu te fais pas mal d'argent ou pas ? Bon, en tout, on est payé 1200 de l'heure. Voilà. Moi j'ai que 20 balles.
Ah parce que oui, bah parce que t'as commencé ton salaire, il y a pas longtemps aussi. 200 heure réelle, oui. Heure continentale. En tout, normalement, vu comment c'est rangé, est-ce que c'était rangé par colonne? Enfin, par ligne? À l'arrière, c'était rangé par ligne? Ouais. Ouais, donc on va dire qu'on est, limité à deux moteurs. Ok. Tiens. Non, y'a personne. Non, laisse tomber, y'a personne. On va laisser tomber. Ah, c'était racheté ? Oh, attends, c'est super joli. Je pense que ça a été racheté, hein. Enfin. Moi, j'aimerais bien m'acheter cette maison aussi. Je me serais acheté ma petite maison, je fais de la location de voiture en plus de mécano. Ah, c'est bien ça. Salut Théo, bienvenue à toi. Non, y'a personne. Y'a personne, laisse. Dès que tu vois qu'il y a personne autour, ça sert à rien. Y'a peut-être une voiture, mais ça sert à rien, y'a personne. Pourquoi tu fais signe au bus? Je sais pas, j'aime bien dire bonjour au bus. Tu sais, j'ai failli postuler chez eux. Enfin, travailler. J'ai postulé, j'ai été accepté, mais j'ai retiré ma candidature à la dernière minute. Tu vois, regarde ces personnes-là. Excusez-moi, monsieur. Attends. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que l'express qui est accidenté, elle est à vous ? Non, pas du tout. Ah, ok. Ok. Merci quand même. Tu vois une personne à pied, tu essaies de demander si tu avais un véhicule accidenté récemment. C'est Théo Dubois, dire ça va. Ça me dit rien, Théo Dubois, ça me dit rien. Comment ? Faudrait peut-être s'y mêler qu'il y a un véhicule accidenté. Tu veux le signaler comment ? Ça sert à rien. J'ai travaillé là avant. J'ai travaillé ici avant, auparavant. Ah ouais ? Ouais, mais bon, 800 € de l'heure, sachant qu'on avait même pas de salaire avant, donc ça servait à rien. Là, on a un SMIC, c'est bien. Ah oui, on est bien payé, quoi. Autant de monde que ça, ici ? Ça, c'est encore un garage illégal, là, ici. Bah ici c'est toujours dangereux ici quand tu roules ici, toujours. Toujours rester sur ses gardes ici. Je verrouille, donc c'est jamais. Ouais. On sait jamais parce que ici c'est donc qu'il y a les plus grands dealers quoi. Ah oui. Les bungalows, oui, les bungalows sont la plupart à vendre. Ouais, bah j'essaie de me faire un peu d'argent avec les masters. En étant un peu là, pour, au cas où s'il faut vraiment de l'argent. Donc là, il y aura un garage illégal, c'est ça ? Bah, je pense, pour moi, il n'a pas été déclaré ce garage là. Ici là. Tous les véhicules qu'il y a, effectivement, je pense que. J'essaie de me renseigner, on va essayer de se renseigner hein, s'il y a quelqu'un. Y a quelqu'un ? Bonsoir. Ah. Bon, vas-y, laisse tomber, y'a personne. Vas-y, je conduis cette fois par contre. Non, on a dit quand y a une intervention. Oh. Y'en aura une au bout d'un moment, t'inquiète pas, y'en aura toujours une. On n'est jamais là à rien faire, t'inquiète pas. Ta ceinture. Comment ? Depuis tout à l'heure, il n'y a rien. C'est ça la vie de mécano.
Dis-toi encore là, ça va, bah, si tu veux, tu peux aller retourner au garage et ah, ouh. Oula. Bonsoir, vous avez besoin d'un mécano? Non, non, c'est bon, merci. Non, c'est bon, ok, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Deux ambulances en plus. Je sais pas ce qu'il y a, mais bon. D'accord, nickel, je vais faire le plus possible quand j'aurai mon PC. Comment? Comment tu mets la voiture sur la dépanneuse? Ça, t'inquiète pas, tu vas être formé. Oui, c'est pour savoir si un jour j'ai... Bah, normalement, t'inquiète pas. Je pense que je vais essayer de négocier pour être formateur de la dépanneuse. Comme ça, vous êtes tous formés. Oui. En fait... T'inquiète pas, on te le saura. Sois patient, hein, tu sais. Hein. Ok, ok. T'as... Pourquoi t'as pas postulé chez Sposito? Pourquoi j'ai pas quoi? Postulé chez Sposito. Dans l'autre garage? Oui. Parce que je préfère le vôtre, parce que moi j'ai amené mon véhicule complètement détruit ici. Et ouais. On l'a totalement réparé pour pas très cher. Et j'ai été très bien accueilli et... Ah, ok. Bon, oh, t'inquiète pas, je vais les réveiller un peu. Ouais, vas-y pour les réveiller, attends, je vais garer un peu. Bah bravo, ça sort comme ça, je dirais rien. Moi, c'est bien, calme. Enfin, il y avait quelqu'un ici. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, n'inquiétez pas. Ah, bah, c'est bon. Oh, monsieur Marshall. Ah, monsieur English, je me tue tout le temps, c'est pas bon. Oui, bah, j'ai besoin d'argent, vous comprenez un peu. Ah, bah oui, ça paye très bien. C'est payé 10 000 euros par heure, c'est tout. Peut-être que monsieur... T'inquiète pas. Dites monsieur le patron, dites monsieur Martin. Oui, je ne suis pas monsieur Martin. Ah, merde, vous êtes... Vous avez dit quoi? Vous êtes qui en fait, pour savoir? Parce que vous avez la même traite de monsieur Martin. Ah, le... Je suis le coupé des jeux. Ah! Ok. Dites, je voulais savoir si ça serait pour parler de... Parce qu'en fait, les gens, ils essaient d'être en dépanneuse, mais ils sont pas formés, et donc ils savent pas comment l'utiliser. Et donc, comme moi, j'ai mes permis poids lourds, et que je peux faire passer les permis poids lourds, je voulais demander si je pourrais éventuellement aider les jeunes mécanos à être formés sur la dépanneuse, si possible. J'ai juste demandé. Ah, attendez, je reviens. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir en patrouille? Garde-le une seconde, garde-le, je vais essayer de négocier pour essayer de te former sur la dépanneuse. Ah, ok, vas-y. Vas-y, moi j'attends, j'ai mon temps. Il dit, vu qu'il a permis poids lourd, il faut passer des formations avec la dépanneuse. Putain, il va pas me faire chier celui-là là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bonsoir. Je suis là maintenant. Ouais, non mais attends. Ah, je pensais que tu parlais. Ah, bah dis-le. Non, attends. Bah oui, hein, t'entends. Ok, j'ai eu peur. Du coup, Attends. Il a l'air endormi, le patron, je pense. Ouais, attends, reste calme. On a le temps, hein, tu sais. Oui, oui.
Ok. Oh, Ken Hamilton. Ouais, je l'ai vu au loin. Ok, moi j'ai fait une patrouille. Est-ce que le. Bah, en fait, juste. Evan. Ouais. Ouais, comme l'a dit vite fait ton co-PDG, comme je sais correctement utiliser la dépanneuse, et comme dans les RP j'ai mon permis poids lourd, est-ce que c'est possible que je forme les gens au permis poids lourd et tout? Quand tu seras formateur, oui. Ok. Parce que moi, comme je sais bien utiliser la dépanneuse, donc je vais demander, voilà. Moi, je reste ici. Moi, je reste ici au cas où si vous avez une dépanneuse. Ok. Qui du coup est en service là? Moi je suis en service. Ok, et bah montez dans mon camion alors. Pourquoi faire? Faire une patrouille. Bah, moi je suis monté. Tiens, par contre, j'ai été voir les flics là pour. Pour parler par rapport à nos assistances là. Oui. Ils ont fait un abus de sirène. Renault Assistance? Ouais, devant mes yeux. Ouais. Ah bah. Donc j'ai été voir les flics. Ils ont fait quoi? Bah ils ont utilisé la sirène de la dépanneuse pour passer un feu rouge. Donc j'ai été voir les flics, je leur ai dit, ils sont partis directement dans leur garage. Bizarrement. Au moins. Au moins, ça fait déjà un petit concurrent un peu en moins. De toute façon, la sirène de la dépanneuse, c'est que quand on arrive sur. Quand il n'y a que des bouchons sur l'intervention. Mais juste, tu l'as déjà entendu la sirène ou pas, Evan? De la. Des masters? De la dépanneuse. Ah, de la dépanneuse, oui. Il n'y a pas de sirène sur les masters. Non, ouais. Mais sur la dépanneuse, tu l'as déjà entendu? Oui, oui. Bah, c'est une sirène. Ouais, mais ça te fait penser à quel jeu? Ah, un GTA, mais lequel? Ça te dit rien, le GTA San Andreas, c'est la sirène des flics? Ah oui, GTA San Andreas, ouais. J'ai même pas pensé à GTA San Andreas, ouais. Direct, moi j'ai pensé direct au GTA San Andreas dans les flics, là. Oh, c'est vieux comme jeu. En tout cas, j'ai l'impression que ça paye mieux qu'avant, Bah, avec les payes... Dis-toi un truc. Auparavant, quand il y avait encore l'ancien serveur officiel, au tout début, les mécanos, ils avaient un salaire. Au bout d'un moment, ils avaient retiré le salaire. Je sais plus. Ah. Tu veux venir avec moi pour m'aider? Il y a une voiture qui gêne sur la route. Pourquoi t'as mis tes... Ok, vas-y, je conduis alors. Parce que j'ai le permis poids lourd. C'est bon, voir si ça... C'est où l'endroit qui a la voiture à remorquer? Par contre, il n'y a aucune intervention, ça c'est le mou. Ah, ok. Ouais, après ça dépend des moments, mais il y a des moments où on va recevoir plus, des moments où moins. Ça dépend vraiment du... Des fois, il y a des moments où on va tous être... Ouais, donc les mécanos... Il y a 20 interventions. Donc auparavant, les mécanos, ils avaient un salaire. Et donc après, au bout d'un moment, le salaire a disparu et ça s'est transformé en salaire des employés. Accélère. Mais tu veux la remorquer comment? Il faut qu'il y ait une personne pour démarrer le moteur. On va toujours essayer une méthode. T'inquiète pas, il y a toujours une méthode. Il y a toujours une méthode, t'inquiète pas. Touche, fais viser, attention, passe, descends. En fait, il n'y a plus de carburant. S'il y a un papillon qui va me répondre. On prend la plaque et... Ah, c'est une auto-école. Ah, bah voilà, ok, bah, c'est une auto-école, bah, c'est tout bien. C'est tout good. On allait où du coup?
Bah déjà, s'il y a un papillon qui va me répondre. Sinon, bah, tu sais qu'on va l'oublier, on va oublier. Non, tu sais quoi, on l'oublie, on laisse tomber, allez hop. Attends, je te laisse, il y a plusieurs clients. Non, mais attention, je monte, monte, monte. Jamais. Comment? T'as fait un ticket, Johnny. Ouais, en fait, c'était pour un RP, pour que tu puisses me démarrer la voiture, mais bon, laisse tomber, c'est une auto-école, elle a rien à faire là. Bah si, je peux te la démarrer, si tu veux. Bah non, mais ça sert à rien, c'est une auto-école, elle a plus d'essence, ça sert à rien. Juste si tu peux la dilette, au moins ça sera fait. Merci. Bon RP, toi, merci. Merci à toi aussi. Comment ça se passe? Ouais. Putain, il m'a fait sortir la dépanneuse pour rien. Tu sais. Bah, en fait, il voulait qu'on remorque. Il voulait qu'on remorque une voiture d'auto-école, mais au final, j'ai abandonné quoi. Il a plus d'essence et tout. Ouais. Même en appelant un staff, je lui ai dit de la dilette au final, ça servait à rien. Une auto-école, tu veux qu'on fasse quoi avec? Je sais pas. Dis, Ah, si, il y a un arrêt de bus. Ouais, il aurait fallu le remettre un autre là, ici, au moins, avant le feu. L'arrêt Lampton. Oh, c'est ça qu'il faut, Evan, que tu aies négocié avec les chauffeurs de bus. Lampton, ouais. Un petit arrêt là au niveau du feu, Lampton. C'est pas une mauvaise idée, ouais. Mais c'est juste. Je donne toujours des bonnes idées. Qu'est-ce qui se passe avec la pompe là? Je donne toujours des bonnes idées. C'est avec rien, la c'est pompe, rien. Y a un c'est problème. Un souci, ouais. Ça serait bien qu'on ait un troisième master, non? Vu qu'on commençait un peu être nombreux, non? Bah, ça serait bien, ouais. Je suis d'accord. Parce que là, tu vois, je voulais partir en patrouille, mais il y a deux masters sont pris, là. Salut Georges Linforce, désolé je t'ai pas vu ton commentaire, n'hésite pas à t'abonner et de lâcher un like. Oui parce que je suis en... Oui je suis en live en fait si vous voulez savoir en fait. Oui je sais. Donc dites bonjour à YouTube. Ouais bah, je dis bonjour à YouTube hein. Ouais, écoutez, bonjour YouTube. Bon on est peut-être pas nombreux mais bon. Ah. Ouais. Là j'arrive sur ton live pour lâcher un like. Je suis mécanicien monsieur, je sais de quoi je parle, vu l'état du moteur. Bon, attends, il se passe quoi encore? Dites-moi juste... tout. Juste un petit like pour que ce soit mis en avant, un peu plus en avant. Son véhicule, voilà. Plus de 3 000 en live, au moins, il sera un peu plus mis en avant. Moi, je lui dis que je ne le prenais pas plus de 1 000 euros. Johnny? Attends, ouvrez le capot, s'il vous plaît, monsieur. Ouvrez le capot, je vais vérifier ça. Qu'est-ce qui a changé sur le moteur? Monsieur, ouvrez le capot. Écoutez, je suis mécano depuis un peu plus longtemps qu'eux. Donc, je vais ouvrir le capot, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous dire ce qu'il faudra vous changer. Bah. Le moteur il est en bon état, il peut encore rouler un petit moment, hein. Dis-toi. Il sonne, c'est ça votre moteur, il sonne là? Monsieur, votre moteur il sonne un peu, c'est ça?
décide de le revendre. Vous faisiez combien pour le revendre? Sachant que je l'ai acheté 3 500 euros, je me suis dit bon, bah pas ouf. Bah, sachant que votre collègue a refusé 3 150 euros, je vais en parler avec mon directeur. Pour moi, c'est on a bien une balayeuse. Dites, j'ai une voiture qui. J'ai un gars qui propose de qu'on lui rachète sa voiture. Donc un Renault Express. Un Renault Express rouge. Je vous laisse voir avec mes collègues. Je suis en train de parler avec le directeur. Non, mais je parle au. Okay. Donc, Martin, moteur à peu près en. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. En moitié état, le moteur en état en tout, il est à 66%. Au total. En tout, ce qu'il faudra changer, c'est peut-être principalement deux batteries. Maximum deux batteries. Et c'est tout. Deux bougies. Ah oui. Alors. Martin je... Attends. Ouais. Oui, je peux parler avec lui à tout moment si vous voulez. Ah bah tiens, le là, je pense. Nous sommes là. Pourquoi oh putain, le portail il se fait encore casse à manière. Voilà. Bah attendez, je vais vous le chercher. Ouais, bah suivez mes collègues. Monsieur le patron, monsieur Martin, il y a aussi une personne des éboueurs qui vient d'arriver. Et je pars en patrouille. Avec le nouveau. C'est la personne qui vient d'arriver. Il est pas là. Celui qui était avec le. Bah tiens, toi tu viens avec moi, allez hop. Non, tu descends. Non, c'est moi qui conduis. Descends. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure je conduis pas, allez, c'est bon. Ah, t'es chiant. T'inquiète, je conduis bien, t'inquiète. T'as intérêt. Allez, go. On pique le master. Ah bah. Klaxonne un petit coup. Oh, je sais même pas klaxonner, putain. Ah. Allez, go, on va à droite. On va où? Droite. On est à combien niveau essence? Non, c'est bon, ils ont fait le plein, c'est nickel. 97, on a presque le plein. L'express là il est arrête là, allez, mets les girons. Johnny English aux autres. Ouais. On aura besoin d'une dépanneuse au niveau du parking de la police nationale. Bien pris, j'arrive. Ok, reçu. On attend. Une dépanneuse, j'ai appelé une dépanneuse. Comment? J'ai appelé une dépanneuse, elle arrive. On arrive, hein, on se rend sur place. Non, niveau commissariat. Ok, reçu, on est sur zone. C'est dans le carrefour entre la police nationale et le magasin de meubles. Bien pris. Nous, on va chercher la nôtre. Bah, justement, c'est la nôtre qui arrive. J'ai envoyé un message. Tiens, lave-la, elle arrive. Okay. Ah merde, elle est fermée. Elle est verrouillée. T'aurais pu me le dire. Éteins le moteur. Je vais mettre un peu plus sur le côté. Le mieux c'est que vous allez faire demi-tour sur le parking, vous rentrez en marche arrière sur le trottoir, je pense. Non, ramène le véhicule sur la route. Bah, en fait, il est verrouillé, faut essayer d'appeler un papillon. Il faut appeler un papillon pour le verrouiller. Il faut appeler un papillon pour le déverrouiller, je m'en occupe. Bah attends, je vais te la mettre. Attends, passe, je vais te la mettre. Non, c'est... Essaye de la mettre. Oui. Attends, fais-moi confiance. Je vais essayer de la faire. Monsieur Martin? Attends, je vais la. Martin, je vais la mettre. Attends, je vais arriver juste. Attends, Evan, je vais essayer de la mettre correctement la dépanneuse. Je vais essayer de la mettre. Vas-y. Par contre, décidez-vous avec le Master Lampton, hein, parce que là, c'est pas si qu'est-ce que vous fait. Faites, mais... Il est pas dans le VOC, heureusement. Il est pas dans la radio. Bon,
parce qu'il y a quelqu'un qui veut, c'est pour vendre son véhicule. Ok, Exmas Rouge, dis-lui que je la prends à 1000 euros. Ok. Monsieur ? T'as appelé un papillon ? On a pas un truc pour ouvrir la porte ? Non. Il faut forcer avec un papillon. Déjà, le véhicule, il est démarré, c'est le... Faut forcer avec un papillon. Ah, mais il est verrouillé. Vous avez appelé un papillon ou pas ? Non. J'appelle. Je l'ai appelé, c'est bon. J'ai appelé le papillon. Plus qu'à attendre. Par contre, ta voiture, elle est morte, là. Elle est archi morte, la voiture. Bon, je vais essayer de voir c'est quoi comme type de serrure. Normalement, c'est du Renault, je vais aller savoir. Alors. La carrosserie est morte, on est à la fin. Je regarde un peu la serrure Renault. Je pense qu'il me faudra un petit tournevis. Est-ce que vous avez un tournevis dans la dépanneuse ? Un camion oublié, mais pas dans la dépanneuse. Oh. Ah ! Ah voilà, tu vois ? Un peu de tournevis, ça suffit. Merci le tournevis ! Bonsoir, monsieur les agents. Son propriétaire, donc. Soir. Soir. Bonjour. Il y a un petit problème, monsieur les agents ? On a reçu un appel de monsieur Gordon. Ah, oh, ça me dit rien, ça. Gordon, ça me dit rien ici. Ah, attendez. Ça me dit rien, oui. C'est pas un de mes employés. Oui, allô ? Ça va ? Pardon, d'accord. Ah, si, peut-être que... Allô, allô, tu m'entends ? Il y a marqué police, pas d'accès. Tu veux que je reprenne la dépanneuse ? Non, t'inquiète, on va partir avec le patron. C'est quel muscle pour... Ah vas-y, passe. Je vais la ramener, passe. Vas-y. Je vais la ramener, ça va, je vais m'entraîner. Je vais la ramener. Ah bah ok. C'est bon. C'est musclé, en fait, c'est Y. C'est Y. Ah d'accord. Bah, il manque de l'entraînement à Noah Langer. J'appuie sur Y. Mais attends, il me laisse seul, mais attends. J'ai essayé toutes les touches. Plus jamais tu me laisses seul, toi, sur l'intervention. Ça sert à rien de mettre la sirène. On n'est pas prioritaire, hein, Ivan. Si ? Oui, mais si j'ai envie de la mettre, je la mets. Okay. Ça sert à rien, clairement, je pense. Bonne soirée à vous, monsieur. Monsieur Martin ? Éteins tes gyros, ça sert à rien. Éteins tes gyros et les warnings, ça sert à rien. Monsieur Martin ? Le client, il est parti. Arrête de faire des appels de phare, ça sert à rien, tu sais. Là, ce qu'on fait, c'est juste aider à faire suivre la voiture. On n'était même pas obligé de l'escorter. Hein. Pour rappel, je reprends le volant. Allez hop. On a fait une intervention et puis voilà. On a fait une intervention. C'est chacun son tour, on avait dit. Fais attention à la dépanneuse. De toute façon, je reprends l'intervention. Je repars en patrouille. Bon, allez, passe. Bah monte, on n'a pas le droit d'être seul, monte avec moi. Ah, à part si quelqu'un va monter avec moi, je sais pas. Flemme de faire une patrouille, flemme. Attends, tu veux pas monter avec moi, celui qui est là-bas ? Non, je vais juste chercher à manger. Ah ok, bah monte, sinon on patrouille ensemble, en même temps.
Qui veut monter avec moi si vous voulez pour une patrouille? Il se passe quoi? Tu veux pas monter? Allez, monte, on va patrouiller un peu. Bon, moi, si personne veut patrouiller avec moi, je vais le ranger. Hein. Et puis voilà. Bah, pars avec l'autre personne, du coup, qui est parti, je sais pas où, mais... Bah, il est parti chercher à manger seulement. Il reviendra pas. Il repartira pas. Et comme je suis... Non, il veut pas. En fait, je suis seul, tu vois. Bon. Et à quoi il sert, du coup, dans l'entreprise, là? Bah, je sais pas. Non, il a patrouillé, hein. Il a patrouillé un peu, là. J'étais avec mes collègues, j'ai fait des patrouilles et tout. Non, non, je confirme, il a patrouillé. Hein. Je confirme, il a patrouillé avec moi. Hein. Je travaille depuis... Je travaille depuis hier, monsieur, je travaille toute la nuit. Enfin, monsieur, pas monsieur, mais... D'accord, oui, je travaille toute la nuit. Gavin, enlève ton filet, là. Pour le moment. Mais tu vas chercher à bouffer, donc... Voilà. Ça oui, ça je suis d'accord. Mais je te jure, j'ai travaillé toute la nuit, hein. j'ai fait que ça. Non mais je suis témoin, il a travaillé avec moi. Ouais. Va chercher ta bouffe, là. Donc, tu crèves. Ouais. J'en ai pour 2 minutes, je vais chercher de la bouffe et je reviens. 2 minutes top chrono. Donc moi, faut que j'attende quelqu'un pour patrouiller ou pas? Ok. Oui. Ok. Je dois faire un truc dans ma tête, j'en ai eu. Ah bah tiens, voilà. Par contre, oui, les véhicules, on les range en marche arrière. Oui, c'est tout le temps ça, c'est les autres. Hein. Voilà. Non, parce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait 2 camions qui étaient... C'est eux, c'est pas moi. Allez, allez, vas-y. Si vous voulez partir tous les deux, du coup, allez-y. Faites faire tout le temps des groupes de deux. Si jamais vous êtes deux ou trois en service, faites des groupes. Oui, tiens, monte, on va patrouiller. Moi, je suis chaud là. Attache-toi. Par contre, on arrive doucement. J'appuie sur mauvais muscle, j'appuie sur M. Enfin, c'est plus simple. Tu veux qu'on y aille dans quel secteur à peu près? Je sais pas, comme tu veux. Ah oui, c'est vrai, il y a mon master ici. Je trouve elles sont un peu plus belles quand même, les couleurs avec le... Comment? L'Anton. Ah, la nouvelle couleur? Je trouve ça va mieux que le rouge. Bon, je sais pas. Tu m'entends? Oui, toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, il faut attendre 23h pour tu sais quoi. Mais je sais, mais je te demandais juste ce que tu faisais là. Bah là, je suis en service, je suis en Longton. Ah, t'es chez Longton, ça y est?
Bah oui, hein. Ah d'accord, d'accord. Ah, il vaut bien que je te rembourse, hein, tu sais. Bah justement, c'est pour ça que je t'appelais, moi j'aimerais bien que tu me rembourses, là. Mais 40 000, ça se trouve pas en une seule journée, tu sais. 45 000, il y a les intérêts, je t'ai dit. Mais 45 000, y a, ça se trouve pas d'un coup, faut plusieurs jours. Bah oui, mais tu travailles, le salaire. Hein. Eh, mon salaire, c'est 1200 par heure. Et alors, moi, c'est 2000. Tu travailles chez les bus? Bah ouais. Voilà, toi t'es mieux payé, tu vois, déjà. Bah t'es calé chez les bus alors. Non, bah non. Bon, bah quand tu pourras avec la graine, tu me dis. Hein. Oui, t'inquiète pas. Bah, allez, je te rappelle tout à l'heure. C'est celui qui m'a aidé à financer tous mes masters. Pourquoi un master ça coûte combien? 34 850. 34 000. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est le prix d'un master, quoi. 100 giro. Hein. 100 giro, avec du giro, ça coûte bien. Je sais pas, j'ai pas demandé. Je pense que ça va être 2000 de plus. Hein. Je sais pas. Ça te dérange pas si je vais aux toilettes ici? Je me dépêche. T'inquiète pas, j'ai mon permis. Mais genre, je reviens deux secondes. Je reviens deux secondes. Non, bah voilà. Alors, je vais me remettre juste le chat là. Ah, ça fait du bien. Ah, t'es là, collègue? T'es là? T'es là, collègue? John? John, t'es là? C'était qui dans le deuxième master qu'on a croisé? C'était nous, moi et Gabin. Ah, ok. Et alors, rien là-bas. J'ai été pissé là, juste à la station essence, y'a rien d'autre. Là, je savais pas qu'il y avait l'entreprise là, Alcazone, qui avait rouvert ici. Bah, Zadi. Comment? La Zadi? Ouais, ouais. Ouais. Elle a ouvert quand? Y'a pas si longtemps que ça, je crois.
Parce qu'en fait, c'est à peu près le truc que je fais, moi. Genre, à peu près pareil que quoi. Louer mes biens, quoi. Il n'y a pas un bâtiment qui t'intéresse, qui t'avait pas intéressé à la CDI ? Parce que la ZD, t'es quand même le, t'es quand même bien placé quand tu regardes sur un plan. Non ? Comment ? À la ZD, t'es quand même mieux placé pour les interventions ou les faces pour faire la pub. ZD, non, non, non. Il y a quand même des magnifiques quasiment bâtiments. Personne qui. Ah justement, ça serait bien qu'on les fasse venir en plus. Bah ouais, justement, ça serait bien, mais comment ? Là, c'est du... Là, clairement, il y a des bâtiments, ça vaut le coup. Hein. Enfin, il y a des grands bâtiments, il y a des petits. T'as... Attends, il est où ? Tiens, c'est celui-là qu'il aurait fallu avoir. Là, avec ça, t'es bien fait, là. Avec un comme ça, là, t'as ce qu'il faut, là. En plus, tu... Ah, quoique, peut-être... Ah, si, avec celui-là, tu pouvais rentrer les masters dans cette porte-là. Avec un bâtiment où tu peux faire rentrer les masters, c'est bien ça. C'est très mieux. Bah attends, t'es où? Je vais venir te chercher. Enfin, je vais venir te montrer c'est lequel, t'es où? Bah attends, on arrive justement. Rendez-vous le magasin de bordure et tout. D'ailleurs, c'est un panneau, oui. C'est un panneau stop qu'il te faut à la sortie. Ouais, ah j'avoue, ouais. Tu vois, je donne que des meilleures, tu vois, je donne que des meilleures idées depuis que tu as accepté. Mmh. Ça va avec quoi une petite augmentation? Non, je plaisante. Toujours le forceur. Hein. Non. C'est juste que je suis ch'ti, c'est pour ça. Tu sais que j'ai un flocage de la friterie du chenor. Je crois avoir vu, ouais. Sur les... Ah bah tiens, tu vois, je te vois. Tiens, je vais te l'acheter, le panneau stop. Non. J'ai pas écouté Kobe encore, cette merde. Bonjour. Oh, un Dodan! Tu veux pas un Dodan? Tu veux pas un Dodan? Tu veux pas un coussin bien ralenti pour faire ralentir les gens dans ton dépôt? Ça coûte 1000 euros. Attends, je vais regarder. Là, on est quoi? Toutes les barrières. Ok. Donc là, c'est-à-dire qu'on a tous les panneaux. Stationnement interdit, deux passes au Dodan. Ça, il t'en faut au moins deux de panneaux Dodan. Si t'en as pas mis là, tu sais, pour signaler. Ouais, mais moi j'ai pas de truc Dodan. Hein. Moi c'est simplement du coup le stop, ouais. Bah le Dodan aussi, vu que pour séparer les deux parties, il y a un Dodan. Séparer les deux parties ? Bah oui, il y a un Dodan. Ouais, mais moi je suis pas Dodan. Bah il faudra le supprimer. Quoi. Place. Par contre, t'as pris le panneau stop ou pas ? Non, bah non. Tu veux que je le prenne ? Tu veux que je prenne ? Non, c'est bon, t'inquiète pas. C'était juste pour savoir si j'allais te rembourser. Bah attends, c'est donner rendez-vous. Bah viens sur la radio. Putain, les deux lampes comme ça. J'étais allé aux toilettes, Johnny, c'est pour ça que j'étais pas là. On attend ton collègue, là, il est dans la radio, ton collègue, là. Vous êtes tous les deux dans la radio. C'est bon, vas-y. Il est dans le vocal, ton collègue là, ton les deux là dans l'autre master, vous êtes dans le vocal. Evan et je sais pas qui. Ah, il est pas dans le vocal l'autre. Je sais rien. Tiens, c'est ce bâtiment là en face là. De quoi? Non, mais je parle à Evan là. Mais il y a quoi ce bâtiment là? Ah, Evan. Il y a quoi ce... Attends. Là, je lui demande de rejoindre, ouais. J'avais pas vu qu'il était pas là. Je suis de retour. Ah oui, en fait, il est pas là, en fait, c'est ça. Vous avez vu dans les avis des Lampton? Non. Avis aujourd'hui, 22h22. Très bon garage, très sympathique. Donne ah, conseils, sur l'ancien serveur. Sur l'ancien serveur. Non, sur le... Garage là, enfin le truc là. C'est dans quoi les avis? Dans quelle catégorie? Ah oui, c'est Roger. Très bon garage, sympathique, donne des conseils, rien à dire. Donne des conseils, c'était quel client ça? C'est bon, je suis sûr. Nickel. Suis-moi s'il te plaît, rejoins-moi. Bah du coup, j'ai pas besoin d'activer mon micro.
Normal. Ah, ça serait bien quand un garagiste on pousse le RP. Non, en fait. C'est celui-là. Tiens, c'est celui-là, là. Ce bâtiment-là. Tu regardes là-bas, t'as deux portes pour master et bus, tu vois. Oui, ça pourrait être bien, ça, tiens. Tu regardes, il y a deux entrées. Une entrée pour les employés et une entrée pour les clients. Un deuxième garage? Non, non, non. Non, 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 non. On ré... Si, non. Clairement, on... si on le prend, on réaménage tout. On déménage tout. Oui, non, non, mais on changera pas d'entrepôt, donc c'est un de... L'entrepôt, il est... Ok, bah c'est un truc. Extrêmement bien, cet entrepôt, surtout. Bah, tu vois, regarde, t'as deux entrées pour faire les masters. Non, en fait, il la... Non, t'avais deux endroits pour... T'avais deux garages. La place. Ouais, mais je pense qu'il est mieux là où il est. Il est plus près de la ville. Ouais, mais là, en fait, là, en fait... Je vais visiter la nouvelle zone. Hein. Mais en fait, dis-toi ici que là, c'est entre l'araignière et... la... et Amboise, tu vois. Ouais, mais après, peut-être, pourquoi pas en faire un deuxième, au lieu de déménager. Si Martin est d'accord. Déjà, je voudrais bien savoir où vous allez trouver l'argent. Bah, à force de vendre. Moi, ça ne m'arrangerait pas, hein, mais pour l'argent... À force de vendre. Surtout que c'est 500 000... Surtout que c'est 500 000, lui, des rangs... Bah, on demande de l'État. On demande de l'aide à l'État. En vrai, à voir. En vrai, ça pourrait être pas mal. Demandez 500 000 à l'État, vous allez voir, on a passé 5 jours à demander des masters. Sérieux? On fait la course? Je plaisante. Non. Non, t'inquiète, attends, c'est limité à 80 ici, on est bien d'accord. 80, ouais, 90. Non, 80, c'est marqué 80. Que le patron sévisse, hein. D'ailleurs, juste Martin, tu sais ce que tu peux essayer de faire pour avoir un partenariat avec la fourrière, non? Avant Esposito. Ça pourrait être pas mal, ça. On pourrait se faire un paquet de thunes là-dessus. Avec le SAMU et les flics surtout. Bah oui, comme ça, moi, s'il faut faire une mise en fourrière route, ils nous appellent. Oh le seum, on s'est pris le rouge là. Tu sais, des fois, ils ont envie de passer de l'autre côté par derrière. On devrait retourner au garage. Je te jure, si tu me claques ça parce que c'est vert, je te tue. T'as dit quoi? Si tu me klaxonnais que c'était vert, je te tue. Dès que j'y ai pensé, mais je me suis dit non, je vais pas faire le bâtard. Je serais descendu, j'aurais cassé la chute, je t'aurais descendu. Ils ont bien recruté, hein, espèce d'étoile. Pourquoi? Voilà. Je vois, ils sont 5 à l'extérieur. Arrête de klaxonner, si on se joue, tu vas pouvoir prendre une. Et toi, Evan, tu dis rien. Dépose-moi là, Johnny, je vais régler son compte, au pire. Ah, et toi, Martin, tu dis rien. Graphique, route CFM, momentanément fermée. Non, en pile quand je vais y aller, quoi. N'importe quoi. C'est quoi la route CFM? C'est la route où t'as spawné. Centre de formation? Ouais. C'est pas plutôt la route par là-bas qu'il y a la voiture qui vient d'arriver? Par contre, évitez de klaxonner parce que. Ouais, je te jure, dès que. Faut éviter de nous faire une mauvaise image. Dès qu'on arrive. Déposer au garage. Par contre, Johnny, ton camion. Attention, Johnny. Parce qu'il commence à me saouler d'être devant là. Bah, il gêne pas là. Ah, si, moi il me gêne. Bah, tu veux que je mette où? Dans l'angle que je mette à gauche là. Dans, à gauche là, dans l'angle. Là, ok. C'est trop cool la nouvelle zone. Attends, dépose-moi là. En bas, non. C'est là où il y a le circuit de course. Attendez, je m'occupe de votre. Je pensais que c'était la zone derrière l'hôpital, moi. Pas celui qui veut. Ouh, la voiture du patron. J'ai pas touché, arrête. Pas loin. Mais non. Fais-moi passer par un danger public. Et où la dépanneuse? Ah, mais elle est là. Qui est trop con. Elle est pas assez grande pour moi, tu vois. Je m'en doute. J'ai passé faire une peinture. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pour être sûr de trop grand angle. Vas-y, je fais. Circuit, je vois rien. Y'a rien, circuit. Ah non, il prend ma place. Bah, justement, c'est ta place, elle est de l'autre côté. T'as rien à faire ici. Là, c'est la place de la. Non, mais ça sert à rien. Ta place, elle est là. Ta place, avec ton master. C'est fait pour.
T'es là, Martin? Evan? Merci beaucoup, monsieur. Alors, rassurez-moi, le gros C4 là, ouais. C'est bien 5500 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Des phares. Non. Tu veux que je les dépose? Non, on se parle des parties. Ah, bleu. Il est où le panneau stop? Je vais te le poser sinon. Ah oui, il est là. Attends, c'est bon. Attends, je suis le client là. J'ai racheté un véhicule. Ah, c'est un sens interdit ça. Voilà. Je m'en occupe, vas-y. Il est toujours là. Bonjour. Avec son. Garez votre voiture là, s'il vous plaît. Bah, garez votre voiture là, c'est possible. Ici. Je m'en occupe. Alors. Oula, bah attends, venez avec moi, venez. Faites attention, venez ici. Attendez, monsieur, attendez. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Inquiétez pas, je suis employé. Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Ah, je sais ce que je suis. Avec sa voiture blanche, c'est ça? Et Evan? Mmh. Tu sais ce qu'on peut essayer de faire là, vu qu'on a rien à faire? Ouais. C'est essayer de faire ce que Phoenix t'a voulu te proposer là, inverser les choses, mettre les voitures voiture devant et tout, non? Oui, mais moi en fait je vais pas faire ça, je vais faire comme avant. Je vais mettre les véhicules en vente au milieu là, comme ça. Ouais, ça peut être au milieu. Ouais, on met des bords du retour. Moi, j'aimerais bien mettre. Mais ça aurait été plus stylé avec des arbres en plein milieu. Les gars, moi, je veux bien mettre mon véhicule en vente. Bah, mets ton véhicule en vente. Hein. Et on les met où? Par contre, le master, c'est bon là? Pour le moment, deux secondes. Non, le master, il est bon. Par contre, les masters, ils sont un peu mal garés quand même. Il faudrait les garer à la même hauteur. Ah, mais c'est lui, qui l'a garé comme ça. Tout de suite, les grands mots, vas-y, je vais le garer. Ah, c'est... Non, mais toi qui ravance-le l'air. Déjà, ravance-le, Gabin. Je vais juste faire ça. Attends là. Ouais, très pratique. Bah, fais pour répondre. Pourquoi t'as. Ce que ça donne. T'aurais dû faire pour la dépanneuse aussi, t'aurais dû prendre la dépanneuse avec. J'ai pas assez. Bah attends, je vais regarder déjà la largeur, déjà voir si c'est bon. Ça fait vachement fin quand même, je trouve. On va voir ce que ça donne, mais... Vas-y, essaye. Non, tu refermes. Ok, non, c'est mort. Il aurait fallu que je fasse ça au pire. Sinon, voilà, tu fais droit. J'avais cru lire sur le truc angle mort, moi j'étais mort. Non, on en fait un grand pour les deux. Non, t'es trop serré là, ça va être trop serré. Mais non, bah oui, comment... non mais attends. Là, il faudra en fait faire deux trucs. Hop, le rétro. Faut en refaire un. Là. Oh, attends, je vais passer de rebond. Bah, si, tu reprends celle de mon côté. Non, tu reprends celle de mon côté, là. Là, ici, là. Oui. Tu retires celui-là. Celui qui est là. Tu retires celui-là, tu le mets en long. Non, mais j'ai. Ça, c'est qu'une truc droite. Ah oui. Il en faut une. T'es où, Evan? Parce que je t'ai vu. Il est là-bas, il est reparti. Express rouge. Il va rouler avec l'express rouge. C'est un client ça, l'application? Non mais l'express rouge, il voulait me vendre son express à 3500 bonjour, balles. Monsieur. Il fait descendre à 1000. Bonjour, je peux vous aider en quoi monsieur? Dites-moi tout. Non, rien, juste je cherchais des mécanes. Enfin, une mécane aussi, mais... Non, il y en a pas ici, on voit que des express. Ok, c'est pas, merci à vous. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je viens juste vous poser une question. Oui, bien sûr. Alors, je veux juste. Une couleur, là. Attends, venez. Une couleur? S'il vous plaît, pour une peinture d'urgence. Une peinture? D'urgence, ouais. Ok, bah attendez, j'ai mon collègue qui sort. Bah, vous savez quoi, prenez votre C4 et vous allez venir, venez. Bah, attends, je m'occupe des deux, t'inquiète pas. Suivez-moi. Non, je m'occupe des deux, c'est moi qui s'occupe des deux, t'inquiète pas, laisse-moi faire.
Non, stop. Non, vas-y, fais l'autre alors. Prends l'autre, prends l'autre. J'occupe de la Mégane. S'il te plaît, allez. Prends le Picasso. Prends le Picasso. Fermez la porte, s'il vous plaît. Fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte. Fermez la porte, va prendre le Picasso. Alors, que puis-je pour vous, monsieur? Dites-moi tout. Merci bien. Vous avez de la nourriture, s'il vous plaît? Vite fait, oui. Bon, normalement, j'ai pas le droit, mais bon, voilà. J'aimerais du orange comme le Orange River qui a été peint récemment. Le orange? Bah, restez là, je vais demander à mon collègue le code. Je reviens. Ok. Y'a où le collègue? Il est où le collègue? Collègue, c'était... non, l'autre. Enfin, c'est toi qui a fait l'orange, toi? Oui, j'ai fait l'orange. Bah, tu peux me donner le code, s'il te plaît? Le code. Tiens, je te mets sur l'étiquette. Bon, ok, merci. Bon, ok, merci. Ouais, voilà. Monsieur, vous voulez dire, s'il vous plaît? De rien. Celui de la Mégane. Celui de la Mégane, je parle. C'est lui. Ok. C'est Mégane. Alors, monsieur, vous voulez, on m'a dit que vous voulez une orange, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, par contre, est-ce que je peux... Non, bien sûr, je peux pas. On va faire le tour. Alors, orange. C'est pour une confirmation, d'ici, j'ai le PM code, c'est bon? Je peux mettre la peinture du coup, hein. Alors, monsieur, ça va vous faire... 900 euros, monsieur. Attendez. Les autres couleurs, 900 euros. Plus, bah, 950 en tout. Avec la main d'œuvre. 950. Faites la peinture et je vous donne l'argent, monsieur. Bah, en fait, j'ai besoin de l'argent pour faire la peinture, vous comprenez? C'est... Ça m'aide aussi pour l'argent, pour la peinture. Ok, merci. Donc, je fais un essai pour vous, pour valider et après vous me confirmez. Vous mettez un covering là. Ah, ça a pas fonctionné alors. Donc c'est bien cette couleur là? Parfait, c'est bon, c'est ça, ouais. Ok, je vous le valide. Et voilà. Je vais essayer de démarrer le moteur le temps que je vous la sors. Salut Stam, bienvenue à toi. Merci. Alors, hop, je me permets. Et voilà, monsieur. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Mais voilà, monsieur. Bah, je roule en warning, comme ça je montre que je suis de travail. Pourquoi il y a un Picasso ici? C'est à qui? Il est à vendre. Il est à qui le Picasso vert, là, en plein milieu? À moi, il est à vendre. Ah, ok. Ah, le panneau stop. Non, je ne pas. Pas pour l'instant. Faites attention. Je me suis fait couiller là. Pourquoi y'a quoi? Bah, le mec il me dit c'est combien une peinture? Il me fait du rouge je sais plus quoi, je lui dis 900 euros. Il me fait ok, je reviens, je vais chercher l'argent. Bah, ça fait 5 minutes, il est parti déjà. Il avait un Picasso blanc. En même temps, le pauvre, avec ta tronche, personne veut de toi aussi. Attention, décalé. Au revoir, bonne continuation. Oula. Attention, monsieur. Oulala. Ma bête. En plus, c'est son collègue. Allez, bonne journée, au revoir. Oui, bah oui. T'as vu, j'étais embauché, c'est... Chez les... Les Lampton. Les Lampton. Ouais, t'as déjà une idée où est-ce qu'elle se trouve ou pas? Comme ça, en plus de ça, qu'il y a plus d'argent. T'es là? C'est ça.
Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Oui! T'as une idée ou pour où est-ce qu'elle se trouve en ce moment? D'ailleurs, c'est obligatoire de rajouter 50 euros pour la main d'oeuvre. Sur le site dans le tarif. Ouais, dans le dernier live, je l'étais pas. Tu mets 3 ans aussi à sortir là. Moi je revends les masters, je revends les masters. Ma passe, je ravance. Attends, la dépanneuse décolle là aussi là. Voilà, on va le mettre un peu au milieu. Sur le dernier, j'étais éboueur, voilà. Non, même pas, j'étais en course poursuite. J'étais flic pendant un petit moment. Comment ça? Quand tu es sur ton tel. En fait, tu appuies sur F9 et t'as la souris. Hein. Après, tu appuies sur F1 ou tu. Quand tu vas appuyer sur F1, ça t'enlève la souris. Hein. Faire attention à ça. Ce serait pas mieux de les mettre les véhicules en biais plutôt? Ouais, ça serait mieux. En biais? Allez, viens s'il te plaît, comme ça je peux y aller, on n'a pas le droit d'être tout seul. Va aller, vas-y. Va aller, vas-y. Tu fais quoi, Johnny? Tu fais quoi, Johnny? Ah merde, il a réussi. Tu sais que si je débranche la batterie, tu peux pas partir? Non, arrête. Donc vous êtes seul. Oh, c'est bon, hein. Tu t'as qu'à dire que je suis gros. Ouais bah justement, ça se fait pas ça. Par contre, non, la dépanneuse elle va pas là, elle va pas là, elle va là. Oh putain, il va être deg. L'autre là, celui qui a les cheveux blancs là. Il est là ou pas? Ah bah il vient d'arriver. Attends, en fait, redémarre la dépanneuse, on va la mettre là-bas. Ok, c'est bon. Il faudra que tu bouges ton camion location. On va foutre la dépanneuse là-dedans. Ok. Pour une peinture, c'est ça? C'est quelle touche? C'est K. Mais il faut pas que t'aies les phares allumés. Parce qu'en fait, si tu appuies sur K avec les phares d'allumer, donc L, ça fait ça. Si t'as pas les phares, ça fait ça. Voilà. On va faire notre plan de service, là. Voilà. À force de travailler comme des durs, on va arrêter. Hein. On va faire sa fin de service. Donc pour ça, on va voir comment ça se passe. Suivez-le. Il est 22h44. Le 12.
09-2022. Et nous, on va remonter avec ce master qui est le mien. Mais on va vite fait le changer, on va récupérer l'autre. On va en fin de service, bonne soirée. Bonne soirée, je prends la fin de service. A tout aussi, bonne soirée. Merci à vous aussi. On aurait pu régler quand ça tremblait la tête là. Et je pense. Ouais. C'est très perturbant. Bon, ça va pour une première soirée. Et pour une première soirée, je pense que j'ai bien travaillé, non? Bah oui. Avec toutes les idées que je t'ai données. Ouais, la prochaine fois, on va peut-être être plus. Comment dire Rapide pour les interventions. Rapide, oui. Mais surtout plus organisé. Parce que là, j'avoue que c'est un peu le bordel. Surtout, je pense que je vais refaire le règlement entièrement. Les patrouilles du coup tout seul pourront se faire, mais si vous êtes justement tout seul en service actuellement. Et moi du coup je dois accompagner les stagiaires, c'est ça? Bah tout est mécano donc ouais, si tu peux former un peu les stagiaires. Wesh, oh là là, il y a masse monde. Ouais, vas-y alors voilà, allez. On a besoin de rien, on l'appelle. Pourquoi il y a autant de monde ici? On a fait des recrutements. J'ai fait des recrutements. Evan, oui, faudra de préférence dans la semaine où je vais revenir. Voilà, donc là, voilà, j'ai récupéré mon master transport toujours. Le plus important pour moi. Parce que là, je comprends rien. Nous avons commencé un peu l'illégal. Hein.
garer s'il vous plaît, il y a le garage qui attend. Ah, c'est un transporteur. Allez-y, monsieur. Ah, d'accord. Monsieur l'agent, excusez-moi, il se passe quoi? Bah, il est reparti. Pardon? Il se passe quoi, monsieur l'agent? Il est reparti, il y a un fou. Comment ça, il se passe quoi? Bah, pourquoi la route elle est fermée pour savoir? Il y a le SAMU qui font une formation. Ok, bah, s'ils ont besoin d'aide pour faire du transport, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, je suis fait pour. Ça marche. Et même si vous les flics, si vous avez besoin d'aide. Même si vous les flics, vous avez besoin d'aide pour tout ramener. On est la police déjà. Non, oui, excusez-moi. Oui. Si vous, la police, vous avez besoin d'aide pour ramasser des blocs ou autre pour les ramener chez vous, n'hésitez pas à m'appeler. Ça marche. Y a pas de problème. Vous avez mon numéro qui s'affiche sur le fourgon si vous voulez tout de suite le récupérer. Ça marche. Je prends note. En tout cas, je vous remercie. Johnny. Oui, ça va? Allez, vous venez. Venez avec moi, vous. Pourquoi? Bah, vous voulez pas voir un médecin? Non. Ils vont encore me maltraiter. Bah, faut ça, quoi. Pourquoi vous dites ça? C'est la prise de l'hôpital, ils vont me battre avec dans les fesses. Ah, en fait, c'est F4, mais il faut être mécano.
Donc là, les gens, ce que vous allez voir, c'est un peu plus illégal, donc ne pas en faire chez vous. Si on se fait choper, c'est cher, quoi. Y'a un problème? Y'a un problème, monsieur? Non, il y a zéro problème. Vous êtes sûr? Ouais, sûr. Bah non, mais y'a pas de problème, c'est juste qu'on a un problème de batterie, mais il faut la rembourser, quoi. Ok. Celui qui était par terre, il s'est réveillé, hein? Bah il est là, je suis allé chercher... Faut que tu aies les phares d'allumer pour ça, par contre. Je pense que je vais reprendre souvent Nova Life, ouais. Je vais le reprendre en jeu. Oui, allô? Ouais, j'ai la caisse. Ouais, je sais où qu'elle est, merci. J'ai les céréales, c'est bon. D'accord, enfin, tu l'as récupéré? Bah non, pas encore, j'ai pas encore, je peux pas. Allez, j'arrive. Tu sais, bah on est à l'araignée, si tu veux. Je sais qu'elle est là-bas. En fait, c'est comme en fait, grâce à lui, j'ai gagné mes 40 000 pour m'acheter mes masters. Donc, en fait, je travaille pour lui, bon déjà, je travaille déjà pour lui. Et il faut que je le rembourse et que j'essaie de travailler le plus possible pour lui. Pour m'acheter cette petite merveille. Ah, c'est sur ma banque. Ok, en fait, c'est sur la banque. Mon salaire. Ouais, 30 000. Donc en tout, il faut que je reçois en tout. En tout. 5. Déjà, je peux compter 5.
Ça fait déjà 10 000 avec 5. Je sais pas, je calcule dans ma tête. Ok, j'ai vu toi sur là. On rend les biens. Non, t'es sérieux? J'ai pas entendu boum, donc ça va. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, tu peux pas, j'ai dû le faire à 23h, je sais pas combien, faut que j'attende un peu. 23h10, 23h. C'est un gars que tu connais, la première qui était derrière toi? Ouais, ouais. Tu sais quoi, dès que tu les as ramassés, on va direct, tu les mets directement dans mon fourgon et on va chez toi, ok? Parce qu'il faut que je te paye carrément pour que je transporte. Non, 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 non. On les met juste dans mon fourgon et on les gâche chez toi, ok? Ton fourgon, c'est pour mettre de la weed, pas des graines. Hein. Bah, même les graines, t'inquiète pas, je prends. T'inquiète pas, je prends tout. Non. T'as peur que je me casse avec? Non, parce que je dois aller les planter directement, moi, c'est tout. Non, mais moi, je te les emmène directement chez toi. Espèce de bouffon, mais là. Ah non! Éteins tes feux, putain! Mais restez là, c'est bon. Non mais t'inquiète, je go chez toi directement. Dès que je l'ai, je go chez toi. Ok? Oh,
Ah mais là. Allez, tu bouges plus vite contre l'arbre là. Oh non. Allez. Allez. Non, allez. J'en ai marre. T'es pas gentil. Putain. De toute façon, j'ai rien. Bah, je sais, c'est pour ça. C'était pour te faire flipper ta tête. Regarde, ouais, il s'est pissé t'aurais dessus. Pas ouais. Un dossier, t'aurais pas un exemple pour les dossiers là. Regarde, il s'est pissé dessus. Site. Mais où ça? Le site du site. Mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez là, les filles? Attends. Je veux ouvrir mon entreprise, mais il casse les couilles là. Comment ça tu vends ton entreprise? Dans accueil. Je vais ouvrir. Ah accueil. Mais ça sert à rien parce qu'ils acceptent pas. Ils acceptent pas les entreprises. Lui c'est Johnny. Ils acceptent pas les ouvertures d'entreprise. C'est le mec le plus discret, il est à côté d'une case de vide avec son propre camion. Ouais, t'as vu ça? Mais en plus, c'est son nom dessus et son numéro de téléphone. Mais quoi, hey, tu sais que s'il y a de la... quand il y aura de la location, là, bah, ça va me faire plaisir. Bah, hey, n'empêche, j'en ai posé un au compte bûcheron, il y a quelqu'un qui a appelé de là. Hein. Bah ouais. Je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner. Celui qui était au compte bûcheron, je l'ai placé au truc des métiers laveuses et tout. Hein. Alors si ça va faire pareil. Ouais. Non, dès que je l'ai, je couche chez toi, ok. Attendez, mais là, je peux. Les caisses, c'est 24h ou 24h 24h 24h. 24h. 24h continentale. Ah. Ouais, je pense qu'on l'a ramassé. Y a... Tu l'as là? Qui, moi? Non. Tu l'as? Oui, il l'a. Tu l'as? Bah oui. Bah, gauche chez toi, on se rejoint chez toi. Allez. Bah, je l'ai pas ramassé aujourd'hui, moi. Je le saurai. Bon, les gens, je vois qu'il y a plus personne.